Coucou les petites licornes, c'est Unicornis. Aujourd'hui, on se retrouve sur Horse Riding Tales pour une nouvelle vidéo. Il y a une nouvelle mise à jour qui vient de sortir, la neige a disparu, le printemps est de retour. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo et du coup aussi vous montrer les nouveautés qui ont été ajoutées avec cette mise à jour. Donc, à commencer, on peut voir que le bonus s'est transformé en x3. Avant, il était sur du plus 25%. C'est quand même plus intéressant d'avoir du x3 que du plus 25%. Je vous laisse faire le calcul mathématique, mais voilà. Sinon, au niveau des cosmétiques, nous avons le nouveau look Art Rock qui est disponible à l'achat. Il coûte en tout 700 gemmes. Du coup, voilà, hein, rip le budget. J'ai pas assez. Sinon, il y a aussi des nouveaux chevaux. Du coup, le Pégase. Déjà, chez Fantasy, il y a des nouveaux chevaux. Il y en a un pas ici, mais il y en a un ici chez les rares. Je le trouve trop beau. Mais c'est comme les nouveaux chevaux, comme ça, là, ils sont toujours pas disponibles à la capture. On peut uniquement les avoir dans les lootbox, du coup, c'est qu'à moitié intéressant, quoi. Sinon aussi, en parlant de pur sang arabe, j'en ai capturé un, moi, la dernière fois. Et désolée, j'ai pas pu l'enregistrer parce que j'étais sur le PC à ce moment-là. Bah, je vous présente Oscar. Mon petit pur sang arabe. Baie brûlée, même, je sais pas pourquoi, à chaque fois sur le pur sang arabe, il y a un bug, la selle, elle s'affiche pas, pourtant elle est bien équipée, sinon je pourrais pas monter dessus. Je les trouve pas spécialement beaux, les pur sang arabes, sur le jeu, mais j'en ai capturé un, histoire d'en avoir un, pour voir à quoi ça ressemble. Par contre, depuis tout ce temps, j'ai toujours pas croisé de frison, j'ai un petit peu le seum. Dites-moi si les frisons, des fois, ils se baladent dans la nature, ou si on est forcément obligé de les avoir dans les loot box. Et sinon, bah, c'est un petit peu tout ce qu'il y a au niveau des nouveautés. Si j'ai aussi commencé à monter un petit peu de niveau cure-dent, histoire de pouvoir m'en servir pour les compétitions, parce que bon, ça commence à être long des fois pour attendre pour les compétitions. On prend soin de lui, j'ai oublié un sabot. Je lui ai mis aussi l'équipement vert, que j'ai réussi à débloquer, il était très long à farmer, ça m'a bien saoulé. Et en plus le vert et le jaune ça lui va pas du tout, parce que bah, c'est pas ses couleurs quoi, ça va pas du tout. Mais bon, c'est les meilleurs stats du coup, c'est ce que je mets dessus. Et du coup, here we go, fort à la dernière compétition. Ah, ça va être long. Et nous avons 49 obstacles à faire. Ça va être sympa. Bon, je vous mets ça en accéléré parce que ça va être très chiant à regarder. Ouais, les compétitions d'après, je crois que c'est du dressage. Ah, je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme, je vais pas faire ça maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'il y a du cheval à capturer? Ouh, ça c'est intéressant. Est-ce que j'ai les orbes? Oui! Donne-moi de l'argent, cheval. Je suis quand même contente que la neige a fini par partir. Parce que bah, c'était monotone, tout était bleu et blanc et ça manquait un petit peu de couleur. Ça fait quand même plaisir de retrouver le printemps, enfin du coup l'automne parce que c'est plus couleur automne, mais ça fait plaisir de retrouver les couleurs sur le jeu. Lui aussi je peux le capturer tant qu'à faire. L'argent, c'est bien l'argent. Je pense qu'on va aller faire une course de cross-country comme d'habitude en vidéo. Là maintenant que j'ai un nouveau cheval, comment ça s'appelle déjà?
épique. Ça va peut-être marcher mieux. J'ai peut-être des meilleures stats. Ah, c'est bon, là, la selle, elle a apparu. Bon, bah, du coup, faisons une course de cross-country. Aucun trait. Ah, lui, il a deux traits. Oh, c'est parfait, c'est parti. Non, faut plus qu'il y ait assez de participants pour la course de cross-country. Ah, j'ai dézoomé, c'était pas ce qui était prévu. Par contre, j'ai lu quelque part qu'il y avait un truc avec l'île aux chevaux qui a commencé à sortir sur certains appareils. Chez moi, c'est pas encore le cas. Ou du moins, j'ai pas trouvé comment accéder à l'île aux chevaux. Yes, assez de participants dès le premier coup. Maintenant, faut plus croiser les doigts que ça ne bug pas. Alors, où est-ce que je suis sur la ligne de départ? Ok, j'ai rien dit, il y a deux chevaux carrément plus pétés que moi. Allez, on va... Ah. Oh putain, mais comment elle trace? Elle trace tellement, je la vois même pas. Bah du coup, elle s'est mangée le mur. Je m'en suis pas trop mal sortie, tiens, pour une fois. Je les ai tracés. Bon, elles vont me rattraper parce qu'elles vont plus vite que moi, mais... Ce n'est qu'un détail. Allez, on essaye quand même de garder l'avance. Parce que là, j'aurais bien besoin de 5 Black Pearl. Comme ça, je pourrais enfin acheter mon haut. Ce qui me manque pas grand-chose pour mon haut. Incroyable, j'arrive à sauter assez haut. Ouais, du coup, j'ai sauté au-dessus de la rivière. Peut-être ça fait gagner un petit peu de temps. Nickel, c'était vachement rapide. Et du coup, plus qu'à attendre, et comme ça je pourrais acheter mon petit haut. Oh non, il me manque encore une. Oh non, j'ai le seum. Il me manque une Black Pearl pour l'acheter. Oh non, déçu. Parce que je voulais du coup acheter ce haut-là, je le trouve trop beau. Ah, la déception. Eh mais le truc Hard Rock, on peut l'acheter en... On peut l'acheter en Black Pearl et pas uniquement en gemme. Comment ça? Ah bah je vais peut-être du coup plutôt partir sur le look Hard Rock si je peux avec la même thune. Il y a plusieurs tenues qui ont été ajoutées. Il y a ça aussi, avec les cœurs. Oui, j'avais pas du tout vu, il y a plusieurs tenues qui ont été ajoutées. Du coup, une nouvelle tenue elfique. Oh, carrément canon. Oh, un pyjama licorne. Ma vie est complète. Attendez, du coup avec le sac à dos licorne. Bah, ça va être mon look sur HRT. Non, pas du tout. Oh, il y a des nouvelles ailes. Il y a des ailes d'ange. Il y a des ailes d'ange déchues. Des petites ailes d'ange. Oh, je les trouve trop choupies. Bah, pour le coup, je préfère les petites ailes. Elles sont moins encombrantes. Oh, j'adore. Bon, en plus, j'ai assez pour m'acheter les ailes. Je pense que je vais partir quand même sur le look Hard Rock, si je peux, du coup. Du coup, là aussi, il y a des nouveaux trucs. Il y a des petites oreilles de diable. Mais ouais, il y a des nouveaux chapeaux aussi. Mais pour le coup, je sais pas tout ce qui est nouveau et tout ce qui était déjà, parce que il y avait tellement d'objets, je m'en souviens pas de tout. Attendez, du coup, j'essaye de créer un look. Je crois bien que j'ai trouvé mon look. Juste les cheveux aussi, peut-être d'autres cheveux. Oh, avec les cheveux roses, oh oui. Ça va être mon look quand j'aurai les thunes. Il va juste me coûter un petit peu cher. Mais je l'aurai un jour, ce look, je l'aurai. J'ai très hâte en tout cas. Très hâte. Je le trouve trop stylé. Bon bah voilà mes petites licornes, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés ajoutées avec cette mise à jour. Alors je sais pas ce qu'il en est de l'île aux chevaux parce que je l'ai pas du tout croisée. J'ai rien entendu à ce sujet. Mais voilà, c'est cool que maintenant nous avons un bonus x3 quand on mine et qu'on regarde une pub. C'est chouette aussi, surtout la nouvelle tenue Hard Rock, je la trouve trop stylée. Et puis même les ailes d'ange, etc. Je trouve ça trop bien. Sur ce petit icône, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous et à de prochaines aventures.